Moi, je pense qu'on est en train de se moquer des Mahorais. Moi, je ramène les choses à leur juste proportion. Mayotte, c'est quoi? C'est la métropole lilloise. 300 000 habitants, grosso modo. Est-ce qu'on imagine au niveau national qu'un dispositif national ne puisse pas s'appliquer dans une métropole de seulement 300 000 habitants? Non. Mais ça n'est pas sérieux. Non. Donc on le voit, on est en train de balader les Mahorais, nous le voyons, le nombre de retraités à Mayotte ne dépasse pas les 50 000, le nombre de travailleurs à Mayotte est relativement faible, le nombre de pauvres est extrêmement élevé. 300 000 habitants, qu'est-ce qu'on attend pour donner leurs droits aux Mahorais qui font face à aux mêmes devoirs qu'au niveau national, notamment sur les impôts et taxes? Donc on le voit, ce calendrier de 2030-2036 n'est pas acceptable pour les Mahorais et le débat au niveau des législatives va être passionné et passionnant à ce niveau-là, parce que le travail des parlementaires à venir ne va pas être d'aller applaudir tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée, mais de faire en sorte de réduire fortement ce calendrier qui est totalement inacceptable pour les Mahorais.